Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 24 et il est 10h30 passé, 10h37. Je fais mon sport, ma méditation, je me suis préparée, j'ai pris ma petite douche, je me suis maquillée, enfin pas trop, parce que voilà, il commence à faire bien chaud. J'ai souffert tout à l'heure sur mon tapis, je suais mais j'avais l'impression d'être sous la douche. Parce que voilà, même si, en plus Stécie a commencé à 9h ce matin, donc j'ai fait mon tapis, j'ai couru, il devait être 9h15, voilà à peu près. Donc il fait déjà bien chaud à 9h15, donc vous le sentez quoi en fait, hein, avec la chaleur du tapis qui tourne, enfin voilà, j'ai beau être devant une porte-fenêtre et de l'ouvrir en grand, il n'y a pas beaucoup d'air qui entre. Mais bon, ça fait du bien, c'est les toxines qui sortent. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Comme tous les lundis, on va faire les courses. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Enfin, je vais sûrement aller au magasin, au primeur, à la boucherie et finir, enfin au magasin bio et finir pour ce qu'on n'a pas trouvé dans ces trois magasins à Lidl sûrement. Oui. C'est le plus pratique, le plus rapide. Voilà, les grandes surfaces, on n'aime plus trop y aller. C'est une perte de temps, on trouve. Voilà, donc voilà pour les magasins. Et ensuite au niveau du menu, alors ce midi c'est des sandwichs au fromage pour chérie et les enfants. Moi je sais pas trop, je vais regarder ce qui me reste dans mon frigo. Autrement j'ai des à chaque fois les petites barquettes de reste que je mets dans le congélateur pour moi en fait quand il reste juste une part. Voilà pour ce midi, yaourt en dessert, excusez-moi je baille alors que voilà, pas de quoi. Et ce soir, c'est des pâtes sauce courgette façon carbonara. Donc, c'est avec de la courgette, du jambon cru et des pâtes. Voilà, mais avec une sauce à base de crème, comme une carbonara en fait. Enfin, de crème. Moi, c'est de la crème végétale que j'utilise. Et le dessert, c'est le reste de tarte aux fraises qui était, soi-disant passant, très très bonne. Franchement, même les enfants, chérie, tout le monde a adoré. Pour une recette légère, hein. Allez, donc moi je vais finir les 2-3 trucs qui me restent à faire, les 2-3 routines. J'ai pas allé chercher Stécie parce que c'est la maman qui la ramène. Et aujourd'hui pour Stécie, c'est, on va dire la dernière. Enfin, logiquement, elle retourne lundi prochain. C'est comme je lui ai dit, c'était son choix. Hein. C'était pas elle de, enfin c'était elle de décider. Elle était pas obligée d'y aller parce qu'ils vont plus rien faire qu'en fait. Hein. Donc du coup, elle veut quand même y aller d'un lundi prochain, mais ça sera cool, il n'y a plus... Je vais encore bailler, je suis désolée. Oh, c'est la chaleur, ça nous... fou. Oui, je disais, ils font plus rien du tout, elle a déjà rendu ses livres. Là, demain et mercredi, le collège est fermé pour... enfin voilà, ils mettent les choses en place pour le brevet. Le jeudi, vendredi, c'est le brevet. Et puis après, ben, c'est déjà la dernière semaine. Mais nous, ils ont l'école que lundi, mardi. Après, le collège est fermé. Ils ont mis en pédagogique, quoi, en fait. Pour pouvoir... De toute façon, comme ils disent, il n'y a plus personne qui les va. Et puis, eux, ça leur permet d'avancer sur l'année prochaine. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, on verra. Mais logiquement, oui, c'est sa dernière aujourd'hui. Voilà, sa dernière vraie aujourd'hui. Où elle a dû prendre ses cahiers, etc., etc. Déjà, à la fin de l'année. Ça passe vite, hein. Allez, donc du coup, je vais aller faire ce que j'ai à faire, boire un verre d'eau parce que j'ai soif, je viens de faire mon sport et j'ai pas rebu, donc je vais faire ça. Et puis oui, je voulais revenir aussi avec vous sur la tisane que j'ai pris. Je n'ai plus mal du tout à ma sciatique en une semaine de temps. Voilà, je suis vraiment contente parce que, alors je continue à la prendre mais plus en prévention. Je l'ai pris pendant une semaine, je suis à peu près à la moitié du paquet je pense. Dans ce paquet, il y avait 235 grammes. Alors, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Hein, mais franchement, ça marche vraiment super bien. Et je pense que je vais de plus en plus me tourner vers les plantes quand on a des petits maux comme ça. Voilà, je pense que c'est une belle alternative. Et en plus, ça... Vous voyez, les cachets, les antibiotiques et tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre. Hein, si, bien sûr, hein, quand on a vraiment des grandes maladies et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a... On se... Notre corps se fait assez caché en fait. Et du coup il y a moins d'efficacité. Et quand vraiment on a un gros souci, un gros pépin et qu'on doit se tourner vers ces cachets là, et ben malheureusement après ils font moins effet quoi en fait. Alors que quand on en prend moins souvent, c'est comme les antibiotiques, les choses comme ça, hein, ben, quand on les prend et que ben qu'on les prend jamais quoi en fait, ils sont beaucoup plus efficaces. Donc voilà, je pense vraiment me retourner vers de plus en plus. Puis au niveau des bienfaits, hein, les médicaments, les antibiotiques, on en a besoin pour les graves maladies, mais elles ont des conséquences sur notre corps, quoi, en fait. Elles sont pas sans, voilà, sans conséquences. Alors que les plantes, voilà, c'est que du bien.
et des bonnes choses quoi en fait. Voilà, donc du coup je pense, comme je vous ai dit, me tourner un peu plus vers les choses naturelles. En plus on a de la chance, on a un herboriste pas loin, enfin donc autant en profiter. Alors le paquet, c'est vrai que je vous avais pas dit, mais j'avais payé, le prix est dessus, j'avais payé 10,50 €, donc enfin voilà, ça va hein. Alors là, comme je vous ai dit, moi maintenant je le prends plus en pour finir un petit peu, pour pas l'arrêter tout de suite. Donc avant, quand j'avais mal, je la prenais 4 fois par jour. Là je suis à 3 et je pense que la semaine, enfin là, enfin je pense même que je vais baisser dans les jours qui viennent à 2, une matin et une le soir. En plus là il fait chaud, donc du coup j'ai tendance à la prendre un peu moins. Enfin, à la prendre avec moins de plaisir, je veux dire. Je la prends pas moins, mais je la prends avec moins de plaisir parce que c'est chaud et que du coup... Ou comme ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé refroidir en fait. J'ai été conduire Stacy et je l'ai bu après, elle était à peine chède. Alors je la prends sans sucre, hein, moi, ça me dérange pas. Comme je vous ai dit, je me suis complètement... Voilà, le sucre ne m'attire plus du tout. J'en mets de moins en moins, que ça soit dans mes yaourts ou les choses comme ça. Enfin, vraiment le sucre rajouté quoi en fait. Allez, je vais nourrir. Alors j'ai déjà nourri mon levain, je vais m'occuper de mon levain, de mon kéfir, et puis, puis on se revoit après. Je viens de me faire un smoothie pour le petit déjeuner, comme il est déjà tard, et puis hein, je suis en train de prendre une mauvaise habitude. Et là je voulais boire mon kéfir, comme je fais d'habitude mon kéfir de lait, je me suis dit mais pourquoi pas l'ajouter dans un smoothie. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai mis mes 250 ml de kéfir de lait à la place d'un yaourt ou à la place de l'eau quoi en fait, et j'ai rajouté des fruits et pour avoir la couleur verte, bien sûr c'est des épinards, vous pouvez vous douter. Donc j'ai mis 30 g d'épinards, la moitié d'une banane, à peu près 50 g d'ananas et une toute petite pomme, enfin la moitié d'une toute petite pomme, donc il y a peut-être aussi 50 g de pommes. Et moi à chaque fois, pour équilibrer au niveau de la glycémie, parce que souvent avec les fruits mixés il y a moins de fibres, donc du coup c'est directement du sucre qui arrive dans notre corps. Et pour équilibrer en fait du coup l'apport de fibres, j'ajoute à chaque fois du son d'avoine dans mes smoothies. Donc je mets pas beaucoup, hein, je m'ai mis 10 grammes, mais l'avoine a des propriétés qui régulent la glycémie. Donc du coup voilà pourquoi j'en mets dedans. Allez, je vais boire ça. Je voulais vous parler aussi d'un truc. En ce moment, le kéfir de lait, le kéfir d'eau, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est filtré, enfin une fois qu'il a macéré, comme là j'en ai un qui est en train de macérer, donc une fois qu'il a macéré pendant 24 heures, je le filtre et je le mets dans un autre bocal dans lequel j'ajoute un triangle d'infusion. Je vais vous montrer, moi c'est... Alors j'ai essayé... pamplemousse, citron, orange, c'était trop bon. On a essayé quoi hier? Menthe, verveine, pareil. Voilà, et en fait c'est des infusions comme ça, la marque éléphant. Donc je mets directement dedans et je laisse les 24 heures de plus en fait avec cette infusion. Et ensuite je l'enlève, je le mets en bouteille et je le mets au frigo. C'est une bonne façon aussi, facile et vite faite quoi en fait, d'aromatiser vos kéfirs de fruits. En plus là, souvent mes infusions je les vois plus beaucoup parce que comme il fait chaud, voilà. Donc du coup, hop, petit truc si vous voulez pour changer un petit peu l'arôme de vos kéfirs de fruits. Bon allez, je vais ranger un petit peu, boire mon kéfir, mon smoothie, et puis travailler un petit peu sur la chaîne. Il est midi passé, midi et demi presque, Stacy est rentrée, ça y est. Dernier jour, enfin dernier vrai jour d'école, parce qu'elle veut retourner lundi comme je vous ai dit. Donc on a, enfin ils sont en train de manger, j'ai improvisé des toasts parce que voilà, j'avais pas de baguette dans le congélateur. Il me restait un pain protéiné de chez Lidl, donc du coup je leur ai dit vous prenez ce qu'il y a dans le frigo, il restait du bacon qu'on avait acheté à la boucherie. Voilà, vous prenez ce qu'il y a dans le frigo et vous mangez ce que vous voulez. Donc du coup c'est ce pain ici. Je l'avais mis au congélateur en fait, donc du coup pour le faire partir, je me suis dit on va manger ça. Donc ils ont mangé des toasts, ils ont mis du gouda dessus, enfin voilà, ils se sont fait plaisir. Et moi c'est ce que je vais faire aussi, du coup je vais me faire comme un croque-monsieur avec ce qu'il y a. Donc je vous montrerai ce que j'ai mis à l'intérieur après. Mais je pense que ça va être oignon rouge, un peu de fromage, je vais voir ce que je peux mettre dedans. Il reste des tomates séchées d'hier, donc je vais les rajouter. Il reste des poivrons aussi, je pense que je vais les rajouter. Voilà, et je vais manger ça avec une petite salade et sûrement de la tomate en plus. Voilà, mon repas de ce midi.
Je vous montre ça hein, dès que c'est fait. Bon, Stacy, début des vacances? Stacy! Début des vacances? Ouais. Ouais? Ouais, tu vas lundi ou pas? Ouais. Ouais, ils étaient que 7 ce matin en cours. Alors, allez, je fais mon toast et je vous montre le résultat. Ouais. Je vous montre du coup mon assiette. Alors, pas florichon, on va dire. Mais bon, salade, tomate et le toast. Alors, j'ai mis poivron mariné, tomate, oignon rouge et du chèvre qui me restait, une bûche de chèvre qui restait aussi. Voilà, je suis en train de faire chauffer mon eau aussi pour faire mon infusion. Parce qu'il faut que l'eau soit bien chaude pour pouvoir faire l'infusion. Mais voilà, après j'ai du mal à la boire quand elle est très chaude, surtout quand il fait chaud comme ça dehors. Donc ça je vais la mettre à infuser et je vais la laisser refroidir pour la boire tiède comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, je vais manger et puis ben, après on va attendre chérie, on va aller faire les courses. Voilà, voilà primeur fait et boucherie faite. On va aller faire le reste des courses mais je voulais à tout prix déposer la viande et les fruits et légumes à la maison, je voulais pas laisser dans la voiture parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est étouffant. On serait retrouvé avec quelque chose qui, voilà, il serait tout abîmé avec la chaleur. Au primeur, je suis tombée sur Léa, donc sur une des vous. Alors à chaque fois, quand je tombe sur une de vous, comme ça que vous me reconnaissez, enfin à chaque fois, ça fait que deux fois, hein. Comme si que, voilà. Mais à chaque fois, je suis tellement surprise que du coup, j'ai l'impression de pas réagir de comme je le voudrais, quoi, en fait, voilà. De la bonne façon, enfin à chaque fois je suis surprise en fait, voilà, à chaque fois ça m'étonne, ça me fait bizarre quoi en fait, voilà, donc du coup comme j'ai chérie j'ai l'impression de paraître froide du coup, alors que voilà, c'est pas du tout l'attention que je veux, hein. C'est juste que à chaque fois je suis super surprise de vous voir. Bon, donc du coup Léa, je te fais des gros bisous, voilà, j'espère que la prochaine fois, puis en plus comme je vous connais pas, donc comme là quand vous venez vers moi, je me demande à chaque fois, voilà, je vous reconnais pas votre visage ou quoi, je le vois pas quoi en fait, donc comme j'ai pas l'habitude, mais à chaque fois que vous venez vers moi, je me demande si comme là je pensais que tu voulais passer devant moi quoi en fait, enfin passer pour aller de l'autre côté du rayon, et du coup ça m'a surprise quand tu m'as parlé quoi en fait, voilà, bref, donc du coup je vais ranger mes courses les 2-3, enfin je vais juste mettre comme ça au frigo. On les ressortira tout à l'heure pour faire un retour de course. Puis on va aller au magasin bio et on va aller du coup chez Lidl finir les 2-3 courses. Mais il ne manquera pas grand chose. Chéri a faim donc il va manger un morceau. Moi je vais peut-être prendre aussi une petite compote je pense. Allez, je range ça puis on y go. Allez, on a fini les courses. Il est tard, il est 18h passé. Faites pas attention à l'heure de l'horloge. Bah quoi que si elle est à l'heure? 18h10? Non, elle est pas à l'heure, hein. Non, on n'a pas changé les piles encore. Je vous le dis parce que si vous voyez l'horloge derrière, vous allez me dire « Ah, elle est pas à l'heure !» Ou elle ment, voilà, un des deux. Non, elle est pas changée, il faut qu'on change. Mais on a l'habitude, hein, chez nous. Hein, on a beaucoup d'horloges qui servent de déco. Bah, allez, je vais vous filmer le retour de course. Puis ensuite, on va tout ranger. Chérie, il doit encore aller au potager pour aller un petit peu arroser parce qu'il a mis des petits pieds de tomates et des petits trucs comme ça qui a peur qu'avec le soleil qui cogne comme ça, que ça cuit. Voilà. Allez, j'y vais parce qu'il m'attend impatiemment pour m'aider à ranger avant de partir. Il est gentil. Hey, ah, j'ai chaud. Bon, allez, je viens de vous filmer le retour de course. Je voulais vous montrer, au cas où vous ne voyez pas le retour de course, je vais tester... je ne sais pas si vous connaissez l'auriculi pour remplacer nos cotons-tiges à la maison. Donc c'est un petit bâton en bambou avec une petite... je ne sais pas si vous allez voir. C'est incurvé un petit peu comme ça. Voilà. Et alors pareil, c'est ce que je vous disais dans le retour de course. Il y a une petite cordelette là mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc je vais tester... On verra. Je sais pas. Je vais regarder s'il y a des vidéos sur YouTube pour voir comment on s'en sert. Mais allez. Donc je vais ranger. Je vais donner un coup de main à chérie pour ranger. Il fait trop chaud dans la maison là. Hein? Pouf! Je me plains pas. Hein. Mais j'ai chaud. Ça y est, je suis en train de monter le retour de course. Il est tard. Hein. Il est déjà 7h30 passé. Je vais faire à manger. Heureusement, c'est rapide ce soir. C'est des pâtes, donc des spaghettis. Normale, enfin complète, que je vais faire cuire, dans lequel je vais ajouter aussi des spaghettis de courgettes et je vais faire un peu comme une sauce carbonara, donc avec des œufs et de la crème. Alors j'ai acheté
Un appareil, c'est vrai que je ne vous l'ai pas fait montrer. Je l'ai acheté ce week-end. On cherchait après quoi? Le parasol, voilà. Et on avait été voir dans un magasin, c'était, parce qu'on en a fait tellement, c'est pas Jiffy. Le parasol, il vient de Jiffy. Non, il vient même pas de Jiffy. Si, il vient de Jiffy. Le pied, ah voilà, oui c'est ça, le Jiffy. Et on avait été en face à Maxi, c'est Maxi, je sais plus quoi. Magic Dépôt, oui c'est ça, Magic Dépôt, et en fait c'est là où on a trouvé le pied, et en faisant un tour dans le rayon, et eh ben je suis tombée là-dessus, donc ça faisait un moment que j'en voulais un, c'est un spirulizer, c'est pour faire des spaghettis, de légumes ou autre chose, et en fait je ne l'ai pas payé cher, il était à 5€, ouais. J'allais m'en commander un en fait sur Amazon, parce que j'en cherchais un j'avais cherché où? J'avais regardé à Auchan, j'avais regardé à Zodio. Enfin, à Zodio, il y en avait, mais c'était plus. Parce que moi, j'en ai un, mais ça fait comme un taille crayon. Et en fait, compte, ça va pas bien. Parce que quand vous arrivez à la fin de votre légume, et ben. Ça, enfin, vous risquez de vous mettre les doigts quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas de truc pour pousser. Donc du coup voilà, je cherchais vraiment l'appareil comme ça. Donc en plus là c'est bien parce qu'il est pliant, il se plie, donc c'est pratique. En fait on dépoite ici. Puis alors au début je me suis dit pour le prix il va peut-être pas fonctionner très bien. Et en fait compte, ben voilà, je vais plus y arriver à l'enlever. Faut que je demande à chérie. J'ai galéré aussi la dernière fois avec mes ongles. Mais bon, autrement on peut le plier et puis il se plie en deux. Oui, et qu'est-ce que je vous disais? Je m'embrouille. Je parle de trop, encore une fois. Oui, donc là du coup, c'est pas grave. J'ai perdu le fil, ça devait plus être très intéressant. Alors, oui, je me suis dit, pour le prix, il va peut-être pas être très solide. Mais bon, au moins ça nous permettra de tester et tout. Au pire, j'en achèterai un. Je voulais en acheter un sur Amazon parce que j'en avais vu, je cherchais un. Voilà, j'en avais vu un sur Amazon. Mais voilà, j'allais le commander. Et en fait, je suis tombée sur celui-là. Alors, c'est gourgettes de chez mes parents. Hop, du potager de mon papa. Donc du coup, je les ai nettoyées. Alors, il faut les piquer et puis tourner. C'est très simple en fait. Hein. Hop. Donc il faut juste que les légumes ne soient pas trop gros. En fait il faut piquer ici. Alors j'ai différentes lames, il y a un petit tiroir ici. Parce que je vais y arriver. Voilà, en fait il y a un petit tiroir ici avec différentes lames dedans pour régler l'épaisseur. Donc là on doit juste du coup, toi tu vas pas tomber. Piquer hop, au centre et venir... Voilà, et ensuite on tourne. Non, ça y est, j'ai fini mes spaghettis de courgettes, voilà ce que ça donne. En fait, il va plutôt bien pour 5€, je trouve que ça fait deux fois que j'utilise. J'avais testé avec des carottes aussi. Je suis en train de faire chauffer de l'eau. Alors ce que je vais faire, c'est que ça va être une recette très très rapide, hein, je vous le dis. Hein. Vous allez faire cuire les pâtes, donc je vais les faire cuire avant toutes seules, parce que les courgettes de spaghetti en 2 minutes c'est cuit, même pas. Et comme on veut les garder un petit peu, vous voyez, pas que ça fasse de la purée et que ça reste un peu croquant quoi en fait, ferme, voilà, que ça se fasse pas de la bouillie. Donc je vais d'abord faire cuire mes pâtes, une fois qu'elles seront cuites je vais les égoutter, mais je vais garder l'eau de cuisson et je les plongerai. Mes spaghettis de courgettes pendant 2-3 minutes, même pas, juste le temps de les attendrir un tout petit peu. Et une fois qu'elles seront attendries, je les égoutterai aussi et je vais faire une petite sauce avec de la crème. Donc là, je crois que c'est de la crème d'épeautre. Même là, au magasin bio, il y avait encore une fois pas ma crème d'amande. Je sais pas, elle va être en rupture de stock ou quoi, mais ça fait deux semaines et deux semaines qu'il n'y en a pas. Je crois que la prochaine fois, je vais en prendre plusieurs parce que... Voilà. Bon, c'est pas grave, donc du coup là, on va tester l'épeautre, on verra bien. La dernière fois, j'avais pris amande, c'était bon aussi. Il y a un petit goût d'amande quand même. Donc là peut-être que l'épeautre ça restera neutre, je verrai. Et puis je vais ajouter donc crème, jaune d'œuf et puis des lardons de bacon. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer cuire mes pâtes. Bon, alors j'ai fait cuire les pâtes, elles sont en train de cuire dans l'eau. Je sais pas vous... Ah si ça y est, la lumière, voilà. Hop, j'ai fait revenir aussi 100 g de lardons de bacon, juste un tout petit peu dans un tout petit peu de ghee. Et donc les pâtes, je vais goûter, voir si elles sont cuites. Une fois qu'elles sont cuites, je les égoutte.
je garde l'eau. Alors moi c'est pratique, c'est un truc que j'ai acheté à Ikea. En fait c'est une passoire qui est juste au-dessus de la casserole, vous avez juste à soulever et ça égoutte vos pâtes. On va essayer de ne pas faire de bêtises, voilà. Donc c'est ce que je vais faire, je vais les égoutter, les mettre de côté dans un plat. Et à la place des pâtes, dans la même eau de cuisson qui est bien chaude, du coup je vais mettre les spaghettis de courgettes juste pour, comme je vous ai dit, les attendrir. Et ensuite je mélangerai tout, les spaghettis, les spaghettis de courgettes, le bacon grillé. Je vais mélanger la crème d'épeautre avec un ou deux jaunes d'œufs. Voilà, ouais, peut-être deux plutôt. Deux jaunes d'œufs, je vais mélanger, je vais saler, je vais poivrer. Et en fait, cette sauce, je la rajouterai à mes courgettes et mes pâtes pour faire la petite sauce qui va avec. Voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du coup les lardons. J'ai mélangé les spaghettis de courgettes avec les spaghettis. Et j'ai ajouté donc la crème d'épeautre que j'avais battue avec deux jaunes d'œufs. Voilà. Et j'ai mis juste quelques petites feuilles de basilic sur le dessus. Donc moi, ça c'est mon assiette. Et je vais manger une tomate aussi en plus, comme ça. J'aime bien manger les tomates, comment on dit? Croque-sel? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je mets juste un peu de sel comme ça et je la mange comme une pomme un peu. Voilà, donc ça va être mon légume. Et le dessert de ce soir, c'est la tarte, donc la tarte aux fraises d'hier. Je vous referai languir un tout petit peu en vous montrant un petit bout tout à l'heure quand je la couperai et qu'on la mangera. Allez, on va manger parce qu'il est déjà tard. Bah, allez, à tout à l'heure. Dessert. Sur un fond de foot, c'est pas l'équipe féminine là, c'est pas qui joue. Oh, on dérange. C'est pas l'équipe féminine là qui joue. J'ai raté le match en plus. Oh zut, c'est bête. Elles ont gagné. Elles gagnent tous leurs matchs là pour l'instant. Ouais. Sont trop fortes ces femmes-là quand ouais, même comparé aux garçons. Ouais, mais là, elle va tomber, c'est un gros morceau. Ouais, ah, mais tu vas voir. Ouais, mais t'inquiète, ils vont les gober facilement. C'était si. Féministe jusqu'au bout. Allez, bah, je vais faire mon pain. Puis ensuite, on va sûrement aller faire un petit plongeon avec chérie. Juste pour se relaxer, mais encore pas longtemps parce qu'il est déjà tard. Bah ouais, encore. Ouais, il est déjà 21h30. C'est toi qui en profites pas, Angela. Bah ouais, tu pourrais y aller l'après-midi, hein. Mais bon, ces ados, ils préfèrent... Gaming. Hein? Bon. Alors, la crème d'épeautre, nickel. Franchement, on n'a pas senti le goût de différence, quoi que ce soit. Chérie m'a juste dit, je préfère la carbonara sur une base de béchamel. En fait, c'est pas une carbonara, hein, mais c'est... En fait, je pars d'une béchamel... dans laquelle je rajoute de la crème et des jaunes d'œufs dedans. Beaucoup plus riche, hein. Mais voilà, il me dit qu'il préfère celle-là. Et vous savez pourquoi il préfère celle-là? Parce que ça baigne dans la sauce. Parce que là, monsieur n'avait pas assez de sauce. Voilà, il n'y avait pas assez de crème. Mais bon, autrement, c'était très bon. Allez, je vais vous laisser du coup, parce que ça va être un petit peu la course si on veut aller profiter un petit peu du spa. Je vous souhaite du coup une bonne nuit ou une belle journée ou une bonne après-midi et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye, à demain, bisous.